Ça a commencé
c'était la guerre en ex-Yougoslavie. La Yougoslavie éclatée et cette guerre à nos portes, avec tout son lot de victimes éclatées. Et des personnes ici au Luxembourg ont décidé de se réunir, quelle que soit leur origine religieuse et culturelle, et ensemble de prier pour la paix. De prier pour la paix tout d'abord en ex-Yougoslavie. Et puis prier pour la paix en général dans le monde. Et ce groupe de prières interreligieux a décidé de faire une déclaration. Et si vous voulez bien, je vais vous lire cette toute première déclaration qu'avait faite le groupe Agir à ce moment-là. Cette déclaration était faite par des membres de la communauté catholique, de la communauté orthodoxe grecque, de la communauté juive, de la communauté musulmane, de la communauté protestante et de la communauté bahaïe, tous réunis autour de ce but commun, prier pour la paix. Voici leur déclaration. Venus d'horizons divers, de religions chrétiennes, catholiques, orthodoxes, protestantes, islamiques, israélites et bahaïes, nous avons ressenti la nécessité de nous réunir aujourd'hui, 26 novembre 1992, et de prier ensemble pour la paix en ex-Yougoslavie. Face aux images de guerre, de désespoir et de mort qui nous parviennent quotidiennement de cette région du monde, nous proclamons notre foi commune dans le Dieu de la vie et de l'espoir. Nous affirmons notre attachement à la paix et au respect de la dignité humaine, ainsi que notre refus de la violence et de la haine. Nous prions pour toutes les victimes des hostilités en ex-Yougoslavie. Nous croyons qu'au-delà de nos différences de langage et d'analyse politique, nous sommes responsables les uns des autres. Et que seule une solidarité plus forte entre êtres humains et entre communautés peut aboutir à la paix. Sans nous contenter de nous prononcer sur le malheur des autres, nous nous engageons ici, au Luxembourg, à rechercher le dialogue, le rapprochement et l'entente entre les diverses familles spirituelles et communautés linguistique et ethnique du Grand-Duché pour vaincre les préjugés et l'exclusion. Nous lançons un appel aux responsables religieux de l'ex-Yougoslavie afin qu'ils utilisent leur autorité spirituelle pour promouvoir la justice, la réconciliation et la paix. Conscients de notre faiblesse, nous nous confions ensemble au Dieu tout-puissant et miséricordieux. Et pendant ces 20 années, nous avons continué à nous confier à notre Dieu commun à tous, tout-puissant, tout miséricordieux. Et nous avons continué ensemble, à travers diverses activités, à prier et à œuvrer ensemble, modestement, humblement, pour faire avancer la cause de la paix dans le monde par le rapprochement entre les communautés religieuses, entre les croyants, entre toutes les personnes de bonne volonté qui ont bien voulu venir se joindre à nous et à nos activités. Pendant ces 20 années, nous avons participé très régulièrement au festival de culture, différents festivals de culture. Nous avons organisé ensemble des soirées à Kiel, des tables rondes interreligieuses, des réunions de prière. Et puis, depuis 3 ans, et c'est cette année, la 3e année, nous avons laissé la place à la musique, au chant, pour exprimer notre volonté d'œuvrer ensemble. Nous pensons que la musique touche l'être humain au plus profond de lui-même, qu'elle peut l'atteindre non seulement dans son cœur, mais aussi dans son âme.
la joie qui rend grâce au très miséricordieux. Ce que nous avons appris au cours de ces 20 années de travail en commun, nous avons appris tout d'abord un élément fondamental, essentiel pour toute œuvre de paix. Nous avons appris à nous respecter. Et au-delà du respect, nous avons appris à nous apprécier, à nous estimer profondément les uns les autres. Nous avons appris à bâtir ensemble une fraternité, un lien très fort d'amitié et de fraternité lie les membres de ce groupe à vivre. Et nous avons appris à regarder ensemble dans la même direction, en quelque sorte, à avoir un but commun. Nous avons des références qui parfois sont différentes. Nous avons des écritures auxquelles nous nous référons qui sont différentes. Nous avons des traditions qui sont différentes. Et finalement, dans l'essence de tout cela, nous nous retrouvons un. Et nous célébrons ensemble, dans la joie, cette unité d'essence que nous retrouvons. J'aimerais maintenant rendre un hommage tout particulier aux fondateurs du groupe Agir. Certains d'entre eux nous ont quittés en quittant cette vie terrestre. Certains d'entre eux nous ont quittés parce qu'ils ont quitté le Luxembourg. Certains d'entre eux sont encore ici parmi nous. Et j'aimerais citer quelques noms en demandant par avance des excuses que peut-être les amis qui ont joint ce groupe Agir étant si nombreux et ayant à travers ces 20 années beaucoup circulé, il se peut que quelques noms soient omis. Mais je pense que nous avons pensé avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de reconnaissance à tous ceux que nous avons eu le plaisir de côtoyer et que nous côtoyons encore. Parmi les fondateurs, nous rendons hommage à M. Salim Cheikh de la communauté musulmane, à M. l'abbé Joseph Mor de la communauté catholique, à M. le révérend Joachim Evangelinos de la communauté orthodoxe grecque, M. le grand rabbin Joseph Sayar de la communauté juive, que nous avons le plaisir de voir ici parmi nous, Madame le pasteur Birgit Hagel des communautés protestantes, Madame Bertie Schulz de la communauté Bahreïn qui est de tout cœur avec nous, mais elle vient de subir une opération et elle ne peut pas être avec nous physiquement. Monsieur Paul Tomé de Pax Christi, que je retrouve, que nous retrouvons avec beaucoup de joie parmi nous. Monsieur Renato Cescuti du CESORI. Et puis, parmi ceux qui ont rejoint le groupe tout au long de ces 20 années, nous avons une pensée particulièrement affectueuse et nous sommes de tout cœur reliés à eux par l'âme, à ceux qui nous ont quittés, qui ne sont plus là. Monsieur Robert Bontemps de la communauté Bahreïn, Monsieur Michel Lutringer de la communauté Adventiste, Madame Christiane Delaine de la communauté bouddhiste, je ne sais pas, elle n'a pas pu être là parmi nous aujourd'hui. Monsieur Enrico Guaretto de la communauté musulmane. Monsieur Patrick Birn Bakat. Toutes ces personnes ont notre reconnaissance pour tout leur engagement et tout leur dévouement au sein du groupe Agir qui, grâce à leur travail, continue aujourd'hui et est aujourd'hui auprès de vous pour fêter son bel âge, ses 20 ans. Je voudrais maintenant appeler nos amis représentants de la communauté musulmane pour un appel à la prière.